recevoir Jésus-Christ. Amen. Qu'il vous bénisse. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Je suis devant le porc de la ville et que je verra vos prétanges qui viendra à moi. Il me montre toutes les rues par le temps. Mais je leur dirai, les rues par le temps, c'est bien. Mais montrez-moi celui qui mourut pour moi, mon ami du calvaire, mon ami du celui qui m'aime à le donner, mon ami du jusqu'à donner sa vie pour moi, mon ami du celui qui envoyait William Branham, mon ami du calvaire, à lui seul la gloire. Quand je verrai mon ami du calvaire, je tomberai à ses pieds, le louant, le glorifiant. Alléluia. Celui qui a envoyé ce précieux message, il est aussi ma chanson, mon ami, celui qui m'aime à le premier, mon ami, jusqu'à donner sa vie pour moi, mon ami, tant qu'on donne le je sais qu'il est vivant. Je sais que mon vérante est vivant et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Vivant, il me marre, mourant, il me sauve, en sévérie, il emporte mes péchés au loin, ressuscitant, il me justifie, à jamais pour être libre. Un jour il va venir, oh quel jour glorieux, un jour il va venir, oh quel jour glorieux, quand la bataille sera terminée, oh les bibles seront fermées, nous déposerons nos âmes, et nous voyagerons comme elles passent dans les airs. Moi je sais, je sais, je sais qu'il est vivant, je sais que mon rédempteur est vivant, et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Alléluia! Parce qu'il n'a pas d'hasard à mon solo, ma sia, il y en a pas une âme. Oh, ma sia, il y en a pas une âme. Alléluia. Souviens-toi de moi maintenant. Souviens-toi de et que traversera ce fleuve de la mort. Souviens-toi de moi. Entends mon humble cri sauveur. Souviens-toi de moi. Vois ta seule mort. Souviens-toi de moi. Quand tu mouilles ce jour-là, la croix Jésus. Souviens-toi de moi. C'est pour que je sois justifié. Souviens-toi de moi. C'est pour que je sois sanctifié. Souviens-toi.
C'était pour que je sois rempli de l'esprit. C'était pour ma perfection. Souviens-toi de moi maintenant. Souviens-toi de moi. Quand tu appelleras Frère Branham. Souviens-toi de moi. Quand tu appelleras Saint Médard. Souviens-toi de moi. Entends mon humble cri sauveur. Souviens-toi de moi. Entends mon humble cri sauveur. Souviens-toi de moi. 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 Alléluia. Les gens sont étonnés de la manière dont nous qui avons cru le message, nous pleurons le nôtre. Nous ne pleurons pas comme les autres qui n'ont pas d'espoir. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Alléluia! Ils étaient étonnés quand on écoutait la voix. Nous étions dans la joie. Alléluia. Peut-être les autres diront, ceux de Branham, ils ont un mauvais cœur. Ils sont en train de pleurer, mais ils sont en train de se réjouir. Exactement. C'est parce que pour nous, la mort a une autre signification. Amen. La définition de la mort a été changée. Amen. Depuis que Dieu a envoyé un prophète. Amen. Et celui-ci nous a dit que la mort, c'est la séparation avec des bien-aimés pour croiser d'autres bien-aimés. Amen. Vous qui n'avez pas encore cru ce message, vous avez peur de l'inconnu. Exactement. Parce que la mort, c'est l'inconnu. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui va arriver de l'autre côté? Mais nous, il y a quelqu'un qui a été envoyé de Dieu, qui nous a donné les informations. Qu'est-ce qui se passe dans l'autre côté? Qu'est-ce qu'il y a dans l'inconnu? Alléluia! Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Laissez-nous vous dire, il y avait un roi un jour. Ce roi disait, il avait attrapé un esprit, il voulait lui couper la tête. Il a dit, au lieu que je te coupe la tête, il y a une porte là-bas. Si tu veux, tu rentres là-bas. Ou alors je te coupe la tête. Il dit, coupe-moi seulement la tête. Et on l'a coupé la tête. Et le conseiller dit, mais roi, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Il dit, il y a la liberté. Mais lui, il a eu peur de l'inconnu. L'inconnu a été démystifié. Aujourd'hui par la voix de Malachie 4. Vous nous regardez. Quand un homme est dans le ventre, c'est un bébé. Là-bas, il est dans les ténèbres. Il ne mange pas le lait ni d'eau. Il est là en train de couler dans les liquides amniotiques. Mais une fois qu'il sort du ventre, il goûte les nidos. Il goûte les gigoses. Dites-lui encore de rentrer là-bas. Il ne rentrera pas là-bas. Et nous qui sommes sur la terre, nous sommes sur le ventre de la terre. Mais une fois que tu laisses le manteau, tu rentres dans le monde où tu trouves Frère Branham. Si on te dit de retourner encore, tu ne retourneras jamais. Comment tu sais que nous y allons? Nous allons y arriver. Il y a un homme qui discutait avec l'autre. Il dit, je ne crois pas que le ciel existe. Je ne crois pas que le ciel existe. Et l'autre lui a dit, le ciel existe. Et l'homme en question avait une torche. Il avait une torche à la main. Il lui a dit, mais avec cette torche, tu vas où? Il dit, je vais dans mon village qui est derrière les montagnes. Il dit, ton village aussi n'existe pas. Comme toi, tu ne crois pas que mon ciel n'existe pas, ton village aussi n'existe pas. L'homme lui a dit, mon village existe parce que je suis né là-bas. L'homme aussi a crié, le ciel existe parce que je suis né là-bas. Je viens de là et je retourne là-bas. La sœur Ariette est retournée là où il était. Que quelqu'un crie Alléluia. Alléluia. Ah. Il dit comme toi tu vas avec ta torche, lentement mais sûrement, tu vas y arriver. Nous aussi nous prenons le message. Amen.
lentement mais sûrement, nous allons y arriver. Et si tu rentres là-bas, avant mon arrivée, venant. Maman, ce n'est pas l'État qui nous a donné l'argent pour être dans la joie. Ce n'est pas l'État qui nous a donné l'argent pour enterrer notre sœur. Mais chez nous, une sœur comme celle-là mérite l'honneur. Descends un peu plus bas. Touche. Se croiser avec notre sœur.
des mains. Nous sommes déjà dans la partie un peu plus chaude, n'est-ce pas? Et moi, je vais me retirer pour passer le micro à Israël Mutombo, qui va continuer avec cette partie un peu plus animée. Et je crois que nous nous sentons déjà bien, n'est-ce pas? Merci. Que Dieu vous bénisse! Est-ce que vous voulez à ce qu'on libère le pasteur Lifoko? Si réellement le pasteur aimait la sœur Henriette, nous vous demandons d'avoir même 5 à 10 minutes. C'est une demande. C'est une demande. Na tongo, est-ce que tu es ok? Yosa matata. Bon, il faut que c'est un bien public, hein? C'est un bien commun. J'étais au studio. Les voix, les cœurs, c'est la sœur Henriette. C'est elle qui donnait même les voix. Quand vous entendez, ça c'est sa voix. Les cheveux, elle fait pousser des cris, elle fait dire amen, amen. Et alléluia, elle les réconforte et elle nourrit, elle marque la différence, c'est ça le nom de Dieu. Oh, 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 oh.
Bénisse richement. Balelaka mwana nzambe nde boye. Balelaka na mayi na misote. Bazolo ba Seigneur, c'est toi qui nous as donné la sœur et c'est toi qui l'as reprise. Que ton nom soit